Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Passman et on est parti pour une vidéo découverte de Far Cry Primal qui est sorti récemment le 1er mars. Donc voilà, là on contrôle un mammouth, je voulais absolument vous montrer ça dès le départ. C'est la petite nouveauté de ce Far Cry. Ces phases-là sont assez simples, hein, même si je suis en difficulté expert. Et que, rassurez-vous, le jeu est bien plus dur que Far Cry 4. Parce que dans Far Cry 4, j'y jouais au max, difficulté max, la guerrier, je crois. Et le jeu était très simple, malgré ça. Puis donc, dans ce Far Cry Primal, on dirige un homme Cro-Magnon, dirige Taka. Qui était avec sa tribu au début, la tribu Winja, je crois que ça s'appelle. On a essayé, enfin la tribu Winja a essayé d'attaquer des mammouths, comme vous pouvez voir ici. Même s'il n'y a pas, c'est pas la tribu Winja là. Voilà, je crois que c'est une mission où on est obligé d'attendre nos potes. On est obligé de les protéger, je pense aussi. Voilà, ça c'est l'autre tribu, c'est la tribu. La tribu adverse de Winja, je ne sais plus leur nom. Et donc oui, après la tribu de Takar se sont fait avoir un par un par les mammouths, enfin surtout le dernier s'est fait avoir par un tigre aux dents de sable. Et donc, par la suite, on s'est retrouvé tout seul dans un nouveau monde, le monde Ulboros, je sais pas ce que ça s'appelle. Et c'est là que débute notre aventure. Donc voilà, grosso modo, pour l'histoire. Le début, en tout cas. Après, bien sûr, je vous ferai un vidéo test pour conclure sur ce Far Cry et dire ce que j'en pense. Même si le vidéo test de Far Cry 4 arrivera bientôt, je ne saurais pas vous dire quand, mais peut-être dans un mois. En tout cas, la capture est faite, hein, j'ai plus qu'à commenter dessus. Attention, vous voyez que les effets de lumière sont toujours aussi spectaculaires. Donc là, on est dans un environnement enneigé, alors que d'habitude, vous allez voir qu'on est plutôt dans un environnement avec des couleurs chaudes. Si je crois qu'il y a trois sortes d'environnements, il y a trois environnements je crois dans ce Far Cry Primal. Bon, c'est un petit peu long. Ah, je vous dis direct, hein, ces phases elles sont pas complètement épiques, hein. C'est pas des phases très intéressantes. On est un peu invincible. En plus de ça, on récupère de la vie comme ça. La Call of Duty. Allez, on va défoncer les. Voilà. Et si vous vous demandez pourquoi c'est aussi fluide, c'est tout simplement parce que j'ai une nouvelle carte graphique. Et c'est sûr, ça change.
Oui, parce que le vidéo test de Far Cry 4 sera pas en 60 fps. Ça a été filmé avec mon ancienne carte graphique. Alors, se fait vite fait, c'est... ces zones préhistoriques. Alors, je me cogne partout. Le mammouth glisse, hein. Se retourner très rapidement. En même temps, c'est le fun, hein, l'état pur. Far Cry, c'est pas trop le réalisme. Je me suis fait avoir comme un noob. Attention, là, je me fais défoncer là. Alors qu'ils sont que 3. Ah, il y a un ours. Les ours paraissent si petits quand tu diriges un mammouth. En plus, je pense que finalement je ferai qu'une vidéo découverte de Far Cry Primal parce que. Ouais, c'est chiant, on peut pas, on peut pas aller tranquille partout. On n'est pas libre de nos choix. On est obligé d'attendre nos potes mammouth tuer toute la tribu adverse là. Je sais plus leur nom. Bon, allez, je vais pas vous laisser cette phase là. Hein. Abandonner la quête, voilà. C'est un peu répétitif. Les temps de chargement sont d'ailleurs très rapides, hein, contrairement à Far Cry 4. Et donc là, voilà, voilà notre camp, notre base. Attention, c'est la classe dans la grotte. Et donc on récupère des ressources pour fabriquer tout un tas de choses, des armes. Ou voilà, comme vous pouvez le voir, une nouvelle hutte pour pouvoir avoir plus de villageois. Donc plus de combattants qui nous aident. Puis bien sûr, il y a aussi l'histoire de des animaux qu'on peut dresser. Ah, par exemple, moi je peux avoir le loup blanc, le loup... attendez. Indisponible, c'est pas logique. Bon, faut que je parte de la base, sinon ils seront indisponibles, voilà. Voilà, le loup blanc, le lion des cavernes, le jaguar et Dol. L'ancêtre du chien, je pense, hein, Dol. Donc voilà, les dents de sabre. Ils sont vraiment costauds. Hein. D'où le monde directement hein, quand on se fait attaquer par un dent de sabre au début. Avec une magnifique cutscene. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, je tourne tout à fond, c'est magnifique, c'est beau. Et il y a Tigrou qui est arrivé. On peut le caresser, on peut lui donner à manger s'il est blessé. Et puis voilà, c'est tout, après on peut lui demander d'attaquer. Comme d'habitude, bah en fait ça se présente un peu comme un Far Cry 3 ou 4. C'est-à-dire qu'on a la world map. Et on peut se TP aux avant-postes qu'on a réussi à prendre. Ou aussi au feu de camp, des fois. C'est une nouveauté. Et il y a bien sûr les objectifs principaux qui sont beaucoup plus visibles que dans Far Cry 4. Et voilà. Et sachant que ce Far Cry Primal est beaucoup plus... orienté survie que action quand même. Car la plupart des ennemis sont quand même plus costauds que nous et il faut faire gaffe. Donc je vais voir le... Alors on va faire quelque chose que je n'ai pas fait. Tout simplement voir le fabricant, je sais pas ce qu'il fout là-bas d'ailleurs.
Parce que normalement, il est dans mon village. Je ne comprends pas. Et pour l'instant, mais je pense que ça sera durant tout le jeu, on aura seulement 3 armes différentes. Voilà, l'arc. Un gourdin. Là, on peut charger, faire une grosse attaque de fou. C'est la jouer à la barbare. Et puis la lance, l'arme la plus puissante. Et puis voilà, on récupère tout ce qu'on trouve. Comme par exemple là, des branches d'arbres. Enfin, du bois. Encore du bois. C'est très... beaucoup de choses à découvrir. Bon, l'icône horrible, par contre, l'icône assez moche, ça veut dire que c'est voilà mon familier qui me suit. Mais l'icône est un peu grosse, par contre. C'est un petit problème. Bon, si on peut chasser les animaux pour faire des confections, voilà, enfin, confectionner, par exemple, agrandir le sac. Ça, c'est ce que je voulais faire, ça. Sachant qu'il faut d'abord trouver les différents individus qu'il faut recruter. Comme lui, puis elle, là, la chasseuse. Puis voilà, après, il y a les autres en bas qui sont grisés. Que je peux voir dans la world map. Voilà, et ça nous dit ce qu'ils font. Donc lui, c'est un guerrier. Et il nous apprendra de puissantes exécutions et donnera des gourdins de meilleure qualité, ainsi que des vêtements divers. Attention. Et comme d'habitude, bah on a les avant-postes, pas les avant-postes. Nous avons les pylônes radio. Voilà, les pylônes radio à l'ancienne, bûcher de la garde de nuit. Et puis voilà, on voit pas grand-chose à montrer. Franchement, je pense que je ferai pas une vidéo très longue. À peu près 20-25 minutes. C'est vraiment vite fait pour vous montrer les bases dans Far Cry Primal. Et découvrir un peu la suite du jeu avec vous. Comme vous pouvez le voir, la distance d'affichage est incroyable. Là-dessus, il n'y a pas de soucis. Sachant que les versions PS4 et Xbox One sont presque aussi bonnes. Il y a juste la version Xbox One qui a une distance d'affichage plus faible. Mais sinon, franchement, dans la version PC et PS4, il y a très peu de changements. Mis à part que sur PC, on peut être en 4K, bien sûr. 4K DSR, mais bon, avec ma carte graphique actuelle, ça marche en 25 FPS. C'est pas très beau. 4K DSR, puisque DSR, c'est du 4K simulé. C'est pas non plus du vrai 4K. Hein. Faut pas rêver. Je suis pas un bourgeois, j'ai pas un écran 4K. Donc voilà, et souvent quand on est à l'objectif, voilà, tout est... y a une surface jaune sur notre carte. Donc ça nous dit la zone de la mission. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai le grappin griffe, ils appellent ça. Oh, attention! Il y a des aigles. Il va me tuer. Et on se soigne en mangeant de la viande crue comme ça, oui. Bon, je vais essayer de les avoir, mais... Ah là, c'était plus simple avec une gatling. De tuer les aigles.
Attention parce qu'ils attaquent. Ah voilà. Aussi on peut appeler un hibou. Le hibou en fait remplace complètement les jumelles. Purée, mais c'est pas vrai. D'accord. Et dans ce Far Cry Primal, l'arc est complètement cheaté par contre. C'est plus puissant et que dans Far Cry 4 ou 3. C'est plus puissant et puis c'est ça tire beaucoup plus rapidement. Et je me concentre, hein, pas tomber. C'est assez compliqué. Voilà. Ah, beaucoup de plateformes aussi, hein, la Mirror's Edge. Ah purée. C'est pas vrai. Par contre, le petit bémol, c'est qu'on sait jamais, on sait pas trop combien de viande il nous reste, combien de morceaux de viande. Ah. Désolé, il y avait un appel. Donc alors, on était aux aigles. Ah purée. Ah oui, je l'ai eu. Quel talent. Oh, faut pas qu'il me rattaque là, parce que je risque de crever. Voilà. C'est galère. Ils viennent ou pas? Ah, en plus j'ai ma souris qui déconne. Pour le clic droit. En sol. Ouais, ils sont trop loin quoi. Bon tant pis. Je vais me fabriquer des flèches. Il y a vraiment beaucoup de couleurs, c'est vraiment magnifique. Comme d'habitude, les compétences cette fois-ci, c'est assez différent. Il y en a beaucoup plus déjà. Et on a les compétences de base, ici, compétences de survie. Voilà, c'est Takar que vous voyez ici. Le personnage que l'on contrôle. Là, c'est... m'expliquer notre copine qui nous apprend comment mieux cueillir des fleurs. Voilà, c'est pour les compétences de cueillette. Là en fait lui en gros c'est le drogué, hein. C'est ça en fait. Il boit différents remèdes assez il boit du sang et des yeux et ça marche un peu comme de la drogue en fait. J'ai pas trop compris quand ça marche, mais bon. C'est la drogue de l'époque. La drogue Cro-Magnon. Et puis voilà, en fait, on a des compétences de chaque... gars qu'on a recruté, sachant que lui je l'ai pas recruté, donc tout est bloqué, et puis les deux autres aussi. Ils sont d'ailleurs très loin là, ceux-là, l'espèce de gorille là. Mais
Et tout là-bas. C'est au moins 3 km le truc. Ah, il faut trouver les plumes d'aigle. Non, donc il faut se farcir des aigles. Furie. Ah, mais c'est pas possible. Comment on se fait des aigles? J'ai pas la gatling. Ça c'était beau. Ouais, j'ai une plume. Ah, ou alors fallait aller dans les. Dans les nids. Parce que c'est pas les bonnes plumes qu'on prend là. Ah, voilà. Je disais bien que c'est une connerie comme ça. Ah, purée, mais c'est pas possible à esquiver ça. Sachant qu'au tout début, c'est une compétence carrément pour se soigner. Sauf avec la viande, bien sûr. Mais purée! Oh, c'est pas vrai. C'est cogné comme un noob après. Voilà. Oh, en fait, je suis monté trop vite. Voir de l'autre côté. Attention à la technique. Ah, petit effet d'eau aussi. Hein. La nouveauté de ce Far Cry. Attention. Je crois qu'il y avait encore un nid avant. Mais purée, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, c'est. Ils sont cheatés, hein, comme toujours, les aigles. C'était les ennemis redondants de Far Cry 4. Ah, et je vous ai pas montré aussi l'instinct. L'instinct de survie. Et aussi on peut brûler notre gourdin. Je sais pas pourquoi c'est jaune. Est-ce qu'on peut détruire la barrière? Ah ouais, pas mal. Bah, un serpent. Le serpent est immortel. Ah, c'est bon. Ah purée. Ça sent que ça me met pas en pause quand on est en train de changer d'arme. Dans la roue des armes. Ça ralentit le temps. Trois os. Voilà, on trouve de la graisse animale, tout ça. Tout pour la survie. Et donc voilà. Maintenant, je vais descendre en win suite, bien sûr. Et le jeu, comme vous pouvez le voir, n'est pas si simple que ça. On se fait toucher par un aigle et on est presque mort. Faut faire gaffe. Ça, c'est quand on est en difficulté expert. Parce que moi, hein, je préférais me mettre directement en difficulté expert, parce que dans Far Cry 3, je me souviens d'avoir mis en difficulté normale au début, j'ai trouvé ça extrêmement simple. Donc après, j'ai préféré, vers le milieu du jeu, à 50% du jeu, j'ai préféré me mettre difficulté guerrier, le truc maximal. J'ai toujours trouvé ça assez simple, bon, même si des fois, s'il y avait des moments où c'était plus chaud. Mais bon, si on se débrouille plutôt bien, voilà, y a pas de problème. Et
Et donc dans Far Cry 4, je me suis mis directement en guerrier. Et puis bah là aussi. Et je galère. Il s'est fait défoncer par des simples loups. C'est pas possible. Comment il a fait? Mais mon tigrou. C'est incroyable. Donc du coup on a fait une mission inintéressante, c'est super. Super pour une vidéo. Non, c'était plutôt original de... faire... faire une mission basée sur les aigles. Voilà, pleine tête. Ah, c'est fait. Les headshots. Sachant que les animations pour dépecer les animaux et puis aussi... bah, toutes les animations en fait, hein, même pour grimper et tout, sont beaucoup plus rapides. Ça fait même un peu trop rapide, hein, c'est un peu chelou. Et notre personnage court plus rapidement. Voilà. Surtout si on règle la vision au max. Oula. Moi j'aime pas ça parce que ça, fait un effet trop bizarre. Un ennemi. Voilà, c'est l'autre tribu, comme je vous l'ai dit. Ils ressemblent tous à des barbares. Quand l'icône est en... Quand on voit une icône avec des griffes, ça veut dire qu'il est en train d'attaquer d'autres animaux. Enfin, attaquer une cible, plutôt. Je vais vous montrer vite fait s'il n'y a pas d'ennemis. Ah, il y a un loup-garou. Putain, mais ils sont costauds les loups-garous là. Ils sont plus forts qu'avant. C'est incroyable. D'habitude, ils défoncent les loups-garous, mon tigrou. Ah, il y a des lucioles. La musique que vous entendez, ça veut dire que je me fais poursuivre par quelque chose. Voilà. Et la, sachant que la nuit, il y a beaucoup plus d'ennemis. Et donc que c'est plus dangereux. Alors que bah, dans les autres Far Cry, Far Cry 3 et 4, c'était pas forcément plus dangereux la nuit. Voilà, quand je fais B... Ah, je trouve pas la touche B. Ok. J'étais en mode galère. Donc voilà, quand on fait B, on a le hibou. Qui peut balader des bombes, il pourra balader des bombes plus tard, c'est un peu n'importe quoi. Et sachant qu'il peut aussi attaquer ses proies. Là il veut pas, je sais pas pourquoi. Bon, peut-être que ça marche que sur les humains, à côté. Vous voyez, c'est quand même assez cheaté, mais quand on appuie B, voilà, ça nous met qui est... Le hibou, on peut pas l'utiliser dans... pendant 75 secondes. Voilà. Voilà, on va prendre la viande. Où il y a des ours, sachant que les ours, ils sont presque immortels, vaut mieux s'enfuir. Là, pleine tête. Ouais, j'ai pris sa viande, je crois. Un peu de silex, je sais pas quoi, ardoise.
va prendre une ruche. On prend tout et n'importe quoi. Avec notre sac magique. On peut tout transporter. Bon, je pense qu'on va faire la mission si on a le temps. On va aller méga loin. En plus, il y a une montagne qui nous empêche d'avancer. Bon, on peut les marquer comme d'habitude. Et faire une exécution que j'ai pas pu faire. Voilà. La petite icône en bas nous indique qu'on peut améliorer une compétence, mais bon, je vais pas le faire directement. Ah, magnifique vue. Ouais, un peu de lens flare, comme d'habitude. Avec le feuillage qui a été encore mieux réussi que dans Far Cry 4. Mais comment il m'a vu? Il attaque le. Ah, c'est fait. Et donc voilà, un paysage à perte de vue. Avec un lens flare magnifique. Le jeu est absolument magnifique de jour. Il y a pas mal de quêtes secondaires aussi. Hein. Le jeu a l'air vraiment long puisque je suis rendu qu'à 11% au bout de 4 heures de jeu. Est-ce qu'il ressemble pas mal à Far Cry 4? Oui d'un côté, non d'un autre, parce que... Ben certes, il y a les quêtes secondaires, il y a toujours les avant-postes, il y a toujours les sortes de pylônes radio. Hein. À la place, c'est des bouchers. Mais d'un autre côté, la jouabilité est complètement différente, parce que ben déjà, on n'a plus d'armes à feu, c'est plus dur. Et le jeu est beaucoup plus côté farming que côté freestyle. Voilà. On farm beaucoup. On fait beaucoup. On confectionne beaucoup. Voilà, et quand dans Far Cry 4, on découvre des lieux. Et quand on découvre des lieux, on gagne de l'XP. Passer par là. Voilà, des fois on voit des espèces de petits sacs comme ça. Il y a pas mal de ressources dedans. Et voilà, on va bientôt arriver à notre quête. Enfin. Heureusement que Takar, c'est Sonic. Hein. Oula. Et pour avoir les empreintes, il faut utiliser bien sûr notre vision de chasseur. Bon, c'est quand même copié de The Witcher quand même. The Witcher 3. Les terres du Nord sont une région froide et inhospitalière. Avec vos vêtements actuels, vous finirez rapidement par mourir de froid. Pour survivre, réchauffez-vous en allumant des feux de camp et trouvez des matériaux permettant de créer des vêtements plus chauds. Ouais, bon, en fait, c'est
Là, c'est vraiment The Witcher. Il y a des feux de camp. C'est une espèce de tigre qu'on entend. On va lui donner un peu de bouffe. Oh mon dieu! Mais ils sont combien? Super fail. Par contre, on voit vraiment rien du tout. Concentré. Bon, ils viennent ou pas? Bon, je vais donner à bouffer. Ah, ils viennent. Bon, ça. Pas encore crevé. Ah, j'arrive pas à sélectionner, purée, le feu. Voilà. Mais quel talent! Tellement talentueux que je me brûle. Je me brûle avec mon propre feu, c'est magnifique. Ah, je l'ai déjà bien maravé lui. Il est presque mort. Ah, il vient ou il vient pas? Bon. J'y crois pas quand même. Il a peur de moi. On est quand même contre un tigre. Hein. Et puis sinon, en parlant de l'IA, ouais, ça va, elle est passable. C'est pas non plus une IA exceptionnelle, mais bon. Après ce que j'entends, on dirait que c'est une IA horrible. Ils disent à la presse et tout. Non, c'est... Franchement, c'est dans la norme. C'est toujours mieux qu'une IA à la Call of. Mince. Un piège. On voit vraiment rien du tout. Vraiment que dalle. Quelqu'un qui est en train de souffrir. Ah purée. Il y a mon familier qui est en train de se faire attaquer. Oh purée, c'est un dent de sabre. Non. Et je clique. Voilà.
c'est pas possible. Il faut être trop level. Ah, mais dans une grotte, combattre un dent de sabre, c'est pas possible. Ouais, d'accord, il m'attaque direct. Ah, mais c'est pas un dent de sabre. Ok, lui il est en train de brûler, mais il s'en fout. Fail, c'est pas possible. Pourquoi il s'enfuit? Je parle pas beaucoup parce que je me concentre. Ouais, mais quel talent! Allez, crame! Il a peur de moi, en vrai. Oh, fichtre. Voilà, c'est bon. On va sauver le rescapé. Attention. Ah mais autre tigre, c'est pas autre tigre, c'est dent de sabre. Ah, ok, c'est peut-être parce que j'ai eu pas de bol. Alors je crois qu'il y a un dent de sabre là. Faut me s'enfuir. D'appeler un autre familier, mais... enfin, je peux pas. Ah, si. Un jaguar, jaguar à l'attaque. Hey, il est vraiment loin le jaguar. Oui, je sais, j'ai que des félins hein, comme familier. Au purée. Fichte. Le problème c'est que le jaguar il va se faire défoncer. Là. Recharge. Ah, il faut l'avoir comme ça. Il faut le cramer. Oh oui, je l'ai tué. Incroyable. Bon, on voit vraiment que dalle.
va parler à notre pote. Puis après, la vidéo sera finie. Parce que là, purée, on est à beaucoup plus que 25 minutes. Hein. Surtout que si je veux rendre la vidéo en 1080p 60 fps. Voilà, bon bah, je pense que c'est bon. Ah, donc sur ce, je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures. Et le petit Minou. Mince. Voilà, je vous montre deux secondes comment il fait un jaguar quand même. Il est absolument magnifique, hein, la modélisation parfaite dans ce Far Cry Primal. On voit vraiment les poils se dresser. C'est beau. Donc sur ce, à la voyure.